Salut, c'est Chanoïette de Ludovox, je suis à Cannes pour cette 30e édition et me voilà en compagnie de Benoît Forget de Purple Brain, donc dans un petit bureau sous-sol, on est au calme, c'est tranquille et on va pouvoir parler du joueur de flûte qui est arrivé donc, il y a trois jours en boutique le vendredi 26, c'est ça, février, donc qui est déjà dans vos boutiques. Alors, comment est né ce jeu d'abord La Genèse. Donc. <laughs> un petit mot pour nous expliquer comment. C'est un prototype euh, que j'ai depuis euh, avant la sortie des Trois Petits Cochons, donc depuis début 2013, euh, qui fonctionnait très bien, que j'aimais beaucoup, mais qui avait un thème qui ne correspondait pas du tout à la gamme Contes jeu. et Jeux. Ça s'appelait Saut de Mouton. Et c'était super, mais sauf que bah, impossible de le mettre de, dans la gamme, parce que euh, le thème ne euh, correspondait pas. Et ce n'est qu'en début 2015, enfin l'an dernier, que j'ai relu Le Joueur de Flûte et je me suis dit, bah, ouais, mais ça. Voilà, c'est bon, bingo, on l'a, donc on va le sortir. C'est bon. Tu lis tous les contes qui existent bon, J'en lis quelques-uns, oui. C'est un peu mon boulot aussi. Enfin, c'est celui que je me suis créé. Quoi. Mais euh, oui, oui, bah oui, parce que quand on a des jeux comme ça, il a pas de, y a, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire qu'il y en a qui partent du thème. Enfin, je parle des auteurs qui partent du thème, de la mécanique, et puis il y a des jeux comme ça qui ont une mécanique euh, que le, le thème correspondait bien à ce qu'on faisait dans le, dans le jeu, mais euh, il fallait l'adapter pour pouvoir le rentrer dans la ligne éditoriale qui est la qui est celle de la gamme contes et jeux. Voilà. Ok. Alors, comment ça marche Alors, le joueur de flûte. C'est un jeu méchant pour les aussi, aussi pour les enfants, pour les apprendre à vivre. Un peu. Non, je rigole. Hein. Non, non, c'est un jeu. En fait, on est dans la droite ligne de, de ce que je fais habituellement. Là, il à partir de 8 ans. C'est un jeu plutôt où on se fait des crasses. Ça, c'est mais bon, c'est plutôt dans un joyeux et la bonne humeur. Et puis voilà. Donc, on comme dans le Compte du joueur de flûte, on a, on est des habitants de la ville d'Amelin. Donc, on a chacun une maison ici. Voilà, comme ça. Et dans cette maison, maison il y a différents étages. Et euh, au début de la partie, on a un compteur qui symbolise, c'est le compteur rat, qui symbolise le nombre de rats qu'on va avoir dans notre maison au fur et à mesure de la partie. Voilà. Quand notre compteur de rats arrivera en haut, nous sommes éliminés. La partie s'arrête dès qu'il n'y a plus que deux joueurs en lice, et on regarde qui a le moins de rats dans sa maison, et c'est celui qui remporte la partie. En cas d'égalité, quand on élimine quelqu'un durant son tour, on récupère son compteur, ça permet de départager les égalités à la fin de la partie. Pour faire augmenter le compteur de rats chez les autres plutôt que chez soi, parce que dans, bon, dans l'histoire, on préférait que les rats soient chez les autres plutôt que chez soi, en fait, hein, c'est ça. Donc on a des cartes personnages, il y en a quatre au début de la partie, qui sont là, qui correspondent aux différentes figurines de jeu. Donc là, on a le rat vert, donc la couleur de queue correspond à la couleur de la carte, le rat rouge, le rat violet, le rat jaune, etc. Ok tous les personnages ne sont évidemment pas présents au début de la partie. Il y a le joueur de flûte qui a aussi sa carte personnage, le rat noir, et voilà. À son tour de jeu, on va, on aura quatre cartes action dans la main pour pouvoir faire bouger tout ce beau monde. Voilà. Je vais les passer une par une. À son tour de jeu, on doit en jouer deux obligatoirement sous deux personnages différents. Ensuite, on refait sa main à deux cartes. Ensuite, une fois qu'on a refait sa main pour clore le tour, on va regarder si un personnage est activé. Pour qu'un personnage soit activé, il faut qu'il ait deux cartes sous lui. Donc ça veut dire que si on a mis une carte ce tour-ci, on a mis une carte sous la carte que quelqu'un d'autre avait posée. Forcément. Oui. D'accord Donc en fait, c'est un jeu où on va s'appuyer aussi sur les autres pour leur faire des grâces. Oui. <laughs> voilà. C'est le truc. Une fois qu'on a activé les personnages, eh ben, on va résoudre leurs actions dans l'ordre de pose. C'est-à-dire, si on a ça et ça, on va commencer par là et finir par ici. Sur les maisons, on va refaire un petit point. Il y a une petite girouette ici. En fait, qui indique le sens euh, du tour de jeu mais aussi qui va permettre d'opérer euh, les déplacements. D'indiquer dans quel sens on va. Les flèches vertes en fait, ça permet de les flèches vertes, c'est dans ce sens-là, les flèches rouges, c'est dans l'autre sens. Si par exemple, j'ai ça sous le ravert et ça, ça m'indique que le ravert qui est ici va bouger de 1 dans le sens de la flèche verte. Donc il va passer par cette maison. Et à chaque fois qu'un rat passe par une maison, il augmente de 1 le, compteur de, le nombre de rats dans la maison. Okay et là, comme il a oublié ses clés au passage, <laughs> il revient en arrière, toc, et on reprend. D'accord. En fait, que ce soit les rats ou le joueur de flûte, ils obéissent exactement aux mêmes règles de déplacement. Sauf que le joueur de flûte, quand il passe par une maison, il fait baisser de 1 le niveau. Okay donc, on a 4 cartes de base de déplacement. Donc, je vous ai montré donc ça un en avant, un en arrière. Là, c'est un en avant, mais en passant par les égouts. Et même le joueur de flûte peut pratiquer les égouts parce qu'il a l'habitude, on va dire. Hein quand on passe par les égouts, enfin quand un personnage passe par les égouts, il ne modifie pas le compteur de la maison, tout simplement. Deux, quatrième carte spéciale, bah, le, la double avance en fait, double flèche. Donc on fait, si on part de là, on fait un et deux, et les compteurs augmentent dans chacune des maisons. Il y a deux cartes spéciales, la plus un. Alors les cartes spéciales sont forcément combinées aux cartes action de base pour avoir un effet. Par exemple, si j'ai cette configuration, cette configuration, là, le, le personnage va avancer de 3. C'est plus un l'action indiquée. Okay Ici, le truc un peu crasseux du jeu, entre guillemets, <laughs> la mélodie. Si par exemple on a cette configuration là, où là, ça revient au même. Hein. De toute façon, les cartes spéciales sont des cartes qui se jouent comme les autres. On les joue pas en même temps qu'une autre carte. Hein. Donc si on a cette configuration là, on va dire avec le rat jaune au-dessus. On va, faire, on va déplacer un peu le sujet. Euh, là, ça m'a dit que bon, le rat jaune, effectivement, elle doit avancer d'une flèche verte, mais tous ceux, tous les personnages qui sont au départ de l'action avec le rat jaune vont le suivre dans son action. Donc ça veut dire que le rat jaune avance, mais en fait, on prend tout le monde, il emmène l'autre, et s'il y avait le joueur de flûte, ça serait pareil, il emmène tout le monde, en fait, quoi, et donc on augmente le compteur en fonction du, euh, des déplacements des personnages. Voilà. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut se retrouver avec des hordes à des moments, et que ça fait très mal quand ça. En fait, c'est un jeu à élimination. Certes, mais qui s'accélère, parce qu'à partir du moment où on a un, un joueur qui est éliminé, la maison est enlevée et les personnages qui étaient de part et d'autre se rassemblent. Donc, il a commencé à avoir des hordes et ça s'accélère. Et la partie se termine dès qu'il n'y a plus que deux joueurs en lice. Voilà. Donc, c'est fun, c'est méchant, c'est rigolo, voilà. Et puis ça marche très bien parce que là, on est super content des, des bah, notamment sur Cannes et puis même au niveau des boutiques. Mais comme c'est un jeu que, que je trimballe entre guillemets depuis quelques années, qui a fait plusieurs festivals sous forme de saut de mouton, qui était le nom à l'époque. C'est un jeu, euh, pendant un moment j'arrêtais de le présenter parce qu'il était, était en stand-by et des gens me le redemandaient. Ah, et bien. en général, quand, euh, quand ça arrive, et c'est à plusieurs reprises, c'est que. Mais de toute façon, moi j'avais confiance dans le jeu, mais quand il y a une sorte de demande comme ça, c'est plutôt très bon signe. Et là, euh, le départ est assez, euh, correspond assez à cette attente. Ouais. C'est le numéro combien de la gamme celui-là Le 6. Ça parce qu'il n'y a plus de chiffres romains sur la tranche. <laughs> Exactement. C'est ça. Pourquoi Alors Ça, je l'ai expliqué pas une fois, mais je peux le réexpliquer. Pourquoi Parce que les chiffres romains, c'est bien quand il n'y a pas beaucoup de tomes. Il euh, y a des jeux qui ont marché moins d'autres que d'autres. Euh, par exemple, Baba Yaga. Hein. Baba Yaga a fait sa vie. On l'a fait en cette langues, à de rien. Donc, c'est pas négligeable. Mais on va pas le, on va vider. Enfin, le stock va se finir en français. On ne va pas le réimprimer. Contrairement aux Trois petits cochons, il y aura la Tortue, à la Cigale et la Fourmi. Et puis au Chaperon Rouge aussi, qui a connu un reprint pas tard. Donc, il va forcément y avoir des trous dans les collections, et d'une. Et de deux, il euh, faut se mettre à la place des gens qui ne connaissent pas forcément la gamme. C'est-à-dire que quand on a un tome 6, un tome 7, etc., on peut se dire, bah ouais, mais pour jouer au tome 6 ou 7, il va peut-être falloir que j'achète tous les autres de la gamme. Donc, il faut que le, le jeu soit face et soit soutenu par la gamme, mais et sa propre vie aussi. d'accord Et puis de toute façon, l'effet de gamme, il est maintenu. Hein. Il y a juste le chiffre romain qui, qui s'en va, et puis... Euh, puis, je vais vous montrer peut-être la boîte, parce qu'effectivement, c'est un, un format très particulier qui ressemble à un livre dans une bibliothèque. Donc, on, a, on peut les avoir tous et ça fait ça. très joli. C'est ça, merci. <laughs> Moi aussi, je trouve que c'est très joli. <laughs> Moi aussi. Alors, Mathieu Lessen a fait un très beau travail. Agnès Largeau, l'auteur, on a super bien bossé ensemble. Moi, ma façon de travailler, elle est toujours la même, hein, que ce soit Pierre-Paul Jacques, qu'il soit connu ou pas. C'est-à-dire qu'on travaille en binôme pour faire évoluer le jeu. Et on travaille, euh, je travaille en binôme avec l'illustrateur, en binôme avec l'auteur, et puis on sort quand c'est prêt. Voilà, tout simplement. Pour le meilleur moyen de faire, je pense. Ouais, ouais, mais euh, comme maintenant, je suis un peu rodé sur la gamme console et Jeux. Ça me permet d'avoir une visibilité, d'avoir une sortie, par exemple à Cannes, une sortie début septembre, juste avant Noël. Parce que tu m'offres une transition. Voilà, parce que, ouais, ouais, j'ai pas fait exprès. Parce que euh, j'ai des jeux en développement bien avant, donc ça me permet. Là, je sais ce qui va sortir à Cannes 2017. Après, pour 2017, le, celui de septembre, on verra. J'ai on verra celui qui se dégage, mais en termes de développement, ils sont déjà bien avancés aussi. Quoi. Justement, on va en parler dans une autre petite vidéo, donc je vous dis à tout de suite sur LudoVox.